Bonjour à tous, chers amis, comment allez-vous? So, what is it? What is it? It is, or this is, si vous voulez montrer en particulier, ou si vous voulez dire bah, de manière, comment ça s'appelle, ça, ou celle-ci, qu'est-ce que c'est? Donc, on va utiliser ici un démonstratif. Et Nicole, what is this? What is this? Yeah. Jug of water. What? It's a jug of water. Oh my God, thank you very much. So, jug, ça s'écrit J-U-G, ok? Espace of O-F, bien évidemment, et après water, donc W-A-T-E-R. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais la poser parce que je vais éviter de porter ça pendant 10 minutes. Mais voyez, petit objet du quotidien, a jug of water. Une. Comment on le dit, Nicole, tu sais le dire en anglais, en français? Bouteille. Once again? Bouteille. Alors, bouteille, c'est bottle. Bottle of water. Et ça, c'est une carafe d'eau. Ah, carafe. OK, carafe. Voilà. D'eau. Carafe d'eau. Bon, alors, chers amis, je vous propose de nous éloigner des objets du quotidien. Pour, eh ben en fait, vous allez voir, revenir à un anglais tout à fait, ou continuer sur un anglais tout à fait authentique, puisqu'on vous a fait une dictée, mais une dictée un petit peu différente, une dictée en anglais qui parle de l'anglais. Donc, sans contexte, c'est pas forcément, vous verrez, la plus simple à comprendre, mais ce que j'essaye de faire, ce que nous nous employons à réaliser, ou en tout cas on tente, c'est à chaque fois de vous présenter face à une situation que vous ne connaissez pas et vous devez essayer de la comprendre exactement comme dans la réalité. Je sais que c'est plus confortable de se mettre tout près avec son cahier, d'avoir le contexte, la petite intro, les explications, sauf que quand vous allez par exemple aller aux États-Unis ou un autre exemple, vous recevez quelqu'un, que ce soit en ligne ou chez vous, un anglophone, ne maîtrise pas le français. Vous avez un environnement, certes, qui va vous aider, mais vous allez très vite vous retrouver, et ça a peut-être été déjà le cas, dans des situations où, vous êtes un peu pris au dépourvu. Donc, le but ici, c'est tout en se faisant plaisir, détendre. C'est le but ici, c'est d'étendre votre zone de confort, non pas d'en sortir, mais de l'étendre et de vous proposer une situation un petit peu différente, toujours bien évidemment de la manière, en tout cas on essaye aussi, la plus pédagogique possible. Donc avant de démarrer, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous cliquer sur le i en haut à droite, télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il arrive directement dans votre boîte email et il est parfaitement gratuit. Profitez-en. Je sais que cette intro est un peu longue et répétitive pour ceux qui connaissent bien la chaîne, mais c'est vraiment indispensable pour tout le monde que je fasse toutes ces précisions. Pourquoi ? Parce que apprendre à apprendre, c'est aussi important que l'apprentissage lui-même. C'est ce qui vous permet d'être efficace. Ça serait donc dommage, vous en conviendrez, chers amis, de nous en priver. Donc, Nicole, si tu veux bien lire la dictée. Of course. So, like each time, so Nicole is going to read the dictation slowly, okay? Each sentence is going to be repeated 2 times, okay? And at the end of the dictation, Nicole is going to read the whole thing, the whole dictation, okay? Once again. Donc, chaque chose va être répétée, chaque phrase va être répétée 2 fois et à la fin, Nicole va vous relire la dictation, la dictée. Nous t'écoutons, Nicole. Nous sommes tout ouïe. OK. English can be real hard to learn, period. English can be real hard to learn, period. Phrasal verbs, comma, prepositions, comma,
false friends, comma, combinations of vowels, hardly understandable, and super difficult to use, period. Very difficult sentence. Phrasal verbs, comma, prepositions, comma, false friends, comma, combinations of vowels, hardly understandable, and super difficult to use, period. Okay, one thing, if you don't mind. Mm-hmm. Comment dit-on, parce que Nicole vous lit les signes de ponctuation aussi. Donc, si c'est la première fois que vous faites la dictée, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce comma? C'est la virgule, OK? Mm-hmm. Comment dit-on le point, Nicole? Period. Exactly. La virgule, c'est? Comma. OK. Donc, ça, c'est les deux qu'il y a dans cette dictée. Je crois que nous n'en avons pas d'autres. Donc, ne soyez pas surpris, OK? Sorry for interrupting you. Oh, no problem. And I'm not even talking about tenses and the large number of words used in daily life, period. And I'm not even talking about tenses and the large number of words used in daily life, period. For example, comma, in English, you're good at something and you listen to someone, comma, tricky one. Yes. You are on a bus, but in a car, period. For example, comma, in English, you're good at something and you listen to someone, comma, you are on a bus, but in a car, period. You drink a beer and you can have a beard, but you don't want a bear in your garden. Birds, oh, I'm sorry, period. Let me read that part. Did you, yeah, sorry. Go ahead, please, sorry. Okay. You drink a beer and you can have a beard, but you don't want a bear in your garden, period. Hopefully. Sorry about that. Yeah, hopefully. It happens here. Yeah. Near the mountains, it happens. Birds are fine, comma, though, period. That one's tough. Birds are fine, comma, though, period. But don't worry, comma. It's gonna be all right, period. But don't worry, comma. It's gonna be all right, period.
You can master English, period. You can master English, period. One thing to remember, colon, du point, right? Mm-hmm. Practice makes perfect, exclamation mark. One thing to remember, colon, practice makes perfect, exclamation mark. I will read the whole thing now. Thank you. Mm-hmm. English can be real hard to learn, period. Phrasal verbs, comma, prepositions, comma, false friends, comma, combinations of vowels hardly understandable and super difficult to use, period. And I'm not even talking about tenses and the large number of words used in daily life, period. For example, comma, in English, you're good at something and you listen to someone, comma, you are on a bus, but in a car, period. You drink a beer and you can have a beard, but you don't want a bear in your garden, period. Birds are fine though. Birds are fine, comma, though, period. But don't worry, comma, it's gonna be all right, period. You can master English, period. One thing to remember, colon, practice makes perfect, exclamation mark. Yep, absolutely. Yeah. Practice makes perfect. C'est en pratiquant que vous allez bien sûr pouvoir maîtriser l'anglais. Bon, encore une fois, ce n'est pas la dictée la plus facile parce qu'elle est assez, entre guillemets, au niveau du sens, elle peut être un peu déroutante, mais elle me semble extrêmement intéressante pour votre anglais si vous voulez l'améliorer. Bien évidemment, n'hésitez pas, si vous avez un retour, des commentaires, vous le mettez juste en dessous et surtout, ne vous alarmez pas, si ne soyez pas frustrés, si « Ah, bah vous ne comprenez pas telle chose, ça vous énerve. » Non, 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 non. Un, vous pouvez écouter la dictée une nouvelle fois. Et deux, c'est normal de ne pas tout comprendre, sinon vous ne seriez pas là. Même si vous avez l'impression, si je puis me permettre, de nager, c'est pas grave. Demain, on va avoir la correction et après la correction, vous pourrez refaire la dictée et vous verrez évidemment que ça ira bien mieux. Ça demande du temps de bien comprendre l'anglais. Ça ne se fait pas en 8 jours, donc ne vous inquiétez pas. Trust the process. Faites confiance au chemin qu'on vous montre sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et si vous voulez bien vous remettre en selle pour apprendre ou pour reprendre l'anglais, téléchargez puisqu'il est gratuit, il arrive directement dans votre boîte email, votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite. Chers amis, Nicole, thank you so much. Of course, guys. Et bien évidemment, on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Bye, guys.